Donc tu repars avec quand même, deuxième tour, c'est 87 000 euros. Ouais, c'était un peu moins. Moi, à mon époque, c'était 70 000. Ah d'accord. Ça a Pas pris augmenté de. ça a pas Ouais, ça prend de plus en plus. Ouais. et clairement tu souffles un gros coup. Enfin, qu'est-ce que pour toi c'est ça représente quoi à ce moment-là? Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que moi, j'étais. Enfin, un mois avant, si je gagnais un 15 000, déjà, c'était bien, quoi. Enfin, j'étais content de gagner un 15 000 où je prenais peut-être 700 ou 800 euros à la fin. Ah ouais. Donc, ça m'a fait une diff énorme, mais en soi, je voulais pas y penser. Je voulais pas, voilà, tout le monde me disait, quand j'ai eu la wildcard, voilà, tu vas prendre 30 ou 35 000 euros du premier tour, c'est énorme, machin. Mais je voulais pas, enfin, ça m'intéressait pas d'aller dans ces comptes-là, quoi. C'était pas ce que je voulais pas me rajouter un truc de me dire, voilà, tu vas prendre 35 000 euros, tu vas pouvoir faire les tournois que tu veux en fin d'année, ou, parce que dans ma tête, je pense que j'ai jamais vraiment pensé à ces problèmes financiers qui pouvaient être en lien avec le circuit. Du coup, bah voilà, j'ai pris le prize money que j'ai pris cette année-là. J'étais très content, mais enfin, j'étais conscient que c'était un truc énorme. Ouais. Que voilà, pour la grande majorité des gens, c'est beaucoup. Mais j'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus et en faire des caisses, quoi. Tu t'es pas dit je vais pouvoir payer ma structure pendant un an, c'est cool. Non, c'est pas trop ta manière de raisonner finalement. Ben en fait, j'avais pas de structure à cette époque-là. D'accord. C'était la période un peu où j'avais pas forcément d'entraîneur. Et du coup, j'avais personne à payer. Okay. Donc, c'était juste pour partir en tournoi. Et voilà, dans ma tête, bah, si, je me suis forcément dit, c'est cool, bah, voilà, t'as de quoi revenir. Forcément, ça dégage l'horizon, ça fait du bien, mais j'ai pas pensé au problème de payer qui que ce soit derrière, quoi. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.